y a une fille avec laquelle tu sortais dans le temps. Bon, je ne vais pas dire son nom là, mais celle que tu avais cassé l'assiette sur sa tête là. À ce que je sache, tu t'es jamais excusé vis-à-vis de cette fille. Parce que mine de rien, on dit Arafat fait des trucs, mais nous qui te connaissons, on sait que tu es quand même quelqu'un de bien. Tu ne peux pas savoir, c'est normal. Parce que ce n'est pas tout qu'on étale sur les réseaux sociaux. Cette fille, il faut savoir qu'on a un enfant ensemble. Oui, mais ça, je sais. Voilà. Et donc, on s'est revus. Elle a sa vie, elle est mariée aujourd'hui. J'ai dit Dieu merci. Et je lui ai demandé pardon, effectivement, parce que l'acte que j'ai posé n'est pas un acte normal. Il n'est pas quelque chose à faire. Mais ça a été indépendant de ma volonté, vu l'acte aussi qu'elle avait posé, qui est interdit aussi par la Bible, de tromper son gars. Voilà. Donc, c'est... Le fait que j'étais fâché, c'est arrivé, je me suis excusé. Aujourd'hui, quand je la vois, c'est bonjour, bonsoir, ça va et tout. Je lui ai demandé pardon, t'inquiète pas. Super, super. Maintenant, parlons de Emma Lewis. Emma Lewis. Tu es allé jusqu'à insulter Emma Lewis sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis ce qu'il a dit. Tu as dit qu'il y avait un footballeur qui est déjà marié et que sa femme avait eu des histoires avec elle. Tu es allé jusqu'à insulter ses fesses pour dire qu'elle a mis des pneus ou des ballons dedans. Mais c'est pas un G. Elle a dit que fesses imbéciles. Non, mais c'est le temps, c'est le temps que tu as utilisé. Non. C'est pas ça. Le seul truc, c'est que faut pas que certaines filles, hein, qui sont aujourd'hui du showbiz, qui font partie du showbiz, qui ont de la visibilité, fasse des choses qui ne sont pas bien, tu vois. Quand tu es quelqu'un de populaire, hein, et que tu te donnes une image, cette image-là, il faut être vraiment ça. Tu vois, faut pas donner une image de toi devant les réseaux sociaux où les fans pensent que tu es tant. En temps de la vraie vie, dans la vie de la nuit où nous sommes, nous on sait toi t'es quoi au fait. Donc moi, c'est ça. Parce que Emma, beaucoup de filles la suivent aujourd'hui. Beaucoup de filles sont avec la kiff et font, essaient de faire comme elle ou font comme elle. Bon, si elle s'en refait ses fesses, toutes tes périphéries aussi vont chercher. Maman, je veux l'argent, nanana, prends là, allez, refais les fesses. Toi, tu veux ça? Tu veux des fesses trafiquées dans la Côte d'Ivoire, partout? Tu veux des futures fesses? Donc, c'est moi qui pose les questions. Les fesses, c'est Dieu qui donne. S'il n'y avait pas, il ne faut pas aller mettre pépin. Pépin, c'est un taquinement. Mais. C'est sa vie, c'est mon ex. En aucun moment je me suis levé pour insulter les parents d'Emma Lewis. En aucun moment j'ai injuré le sexe d'Emma Lewis. Des injures comme ce qu'on connaît, Barbie, autant. Tu vas jamais vouloir faire ça parce que je respecte la femme. Je dis juste la vérité parce que moi, tu me fais un truc, ça me plaît pas, je te dis. Moi, je suis cash. Moi, ce que je fais sur les réseaux sociaux, comme on me voit, c'est vraiment la réalité, tu me connais. On se voit tout le temps la nuit dehors. J'aime pas les foutaises. Quand tu te fous de moi, ça veut dire qu'il faut être plus fort que moi. Il faut me montrer que tu es trop garçon. Mais ce n'est pas encore arrivé. Donc c'est un peu ça. C'est une manière de donner des conseils à toutes les petites filles aussi. Mais tu es allé jusqu'à te moquer d'elle dans ta dernière chanson. Je suis libre de me moquer de qui je veux. Quand les stars américaines se moquent même de leur président, de Donald Trump. Quand les propres stars français se moquent de leur président. Qui parle? Moi, je ne me moque pas de mon président. Je ne fais pas la politique, je ne vais jamais. C'est pas que je connais. Il n'y a rien à connaître. J'ai peur d'une seule personne, Dieu. Mais je respecte mon président. Je respecte toutes les personnes qui font partie de la naissance, de l'évolution de mon pays. Donc, je ne peux pas me permettre de venir me rentrer dans des grimaces, de me moquer du président. Mais je peux me moquer des images, je peux me moquer de tout ce qui, tout ce qui fait partie du showbiz. Donc, tu sais même pas si un jour demain, c'est une folle, je vais marier. Mais peut-être que si c'est Emma, elle-même, je vais marier. On ne connaît pas le début de chacun. On ne sait jamais. Fafa. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Numéro 209 des bouquets Canal+ Afrique.